Constriction canal rivière massacre la continue fait parler de li. Population toujours en joyeux travail matin, midi et soir. Mais responsable cassé mette nan men gouvernement Ariel Henry qui pas campé sous rien. Et toute l'ambition yo c'est campé travail là parce que li pas nan intérêt yo. Ses affaires pep kap régler. Eh bien, genye yon nan responsable ki rele. Oui, eh bien, dame si la li même, li fè gros tole nan kanal la nol tout patou, oui, din Pierre, li pale au sujet de l'état Ariel Henry, voyou sa yo, yo pa vle wè kanal la. Mbral bo detay sou déclaration li, dossier yo pa piti, depuis se bagay pep, monsieur yo pa vle wèl. En ce qui concerne l'argent yo voyé en Haïti pour année 2023 qui s'est passé là, diaspora lise yon champion dans PIB. Produit intérieur brut chaque grain haïtien qui dans pays d'Haïti et n'a obligé gen respect pour diaspora yo malgré pendant y a voyé milliards, y a voyé zam tout. Mais côté qui bon faut nous parler de lui. M'bral bon combien milliards de dollars diaspora a voyé en 2023 et c'est comment économie haïtienne nan même lié. M'espérer ou prend chaise bon chita pour m'bon détail. Après ça m'bral di ou kari commandé pour tout responsable haïtien ou prend destin pays à en main et ou fait yon lot réunion sous nom Haïti encore puisque non pas qu'à entendre nous c'est étranger qui a décidé. Ancien avocat peuple monsieur Gouventlan André Michel sorti notre paltou des gros tolé directeur sans honte ça il foué bouche li dans dossier pays a encore. Eh bien m'pral bon tout détail flash news 365 c'est pour ça de mettre plateforme ça là pour nous parler parole pays d'Haïti. Si vous pas mettez abonné ici nous pas responsable. La construction du canal sur la rivière Massacre marche à grands pas vers sa finalisation. Ça veut dire monsieur a travaillé en pile dans le canal là et a pris route pour la finir. Pas oublier nous doué pour en pile prise mais premier lui même nous loin en pile. C'est dit moins la précision de la porte-parole du comité de construction dit canal sur la rivière Massacre, Widlin Pierre. Cette dernière souligne que ce sont les Haïtiens qui veulent le projet, mais l'État haïtien n'est pas impliqué. Ariel Henry lui-même n'est pas impliqué. Parce que là, on parle de l'État haïtien, c'est uniquement nous qui parlons de lui, c'est Ariel Henry, parce que c'est lui qui a coupé, c'est lui qui a braché, puisque tout l'autre ministre, c'est monde qui en babouche, et c'est sous l'autre lui qui a marché. Quel que soit bagay la ta contraire ou pas gen courage ça parce que ou pas passé aucun côté. Les Haïtiens veulent la construction de ces canals qui va finaliser qui va faciliter l'irrigation d'une partie de la plaine de Maribao. Seul l'État haïtien n'est pas impliqué dans cette construction a expliqué la responsable. Plus loin madame Widlin Pierre a souligné que les autorités ont envoyé des topographes sur les chantiers, mais ces derniers n'ont pas pu poursuivre les travaux après une altercation avec des membres de la population suite à les refus de partage les données avec les ingénieurs du chantier, écrit les Nouvellistes. Eh bien, ingénieurs topographio, t'es venu, yo t'es commencé puisque yo pas vle bay population en détail. Avec responsable canalio sous sa yo joine et bien population te levé campé yo pas capable fini certainement yo aller si yo voye ou faut kou bay détail puisque ou gen pou bay détail. Elle a fustigé le comportement des autorités étatiques qui n'ont manifesté aucune volonté à soutenir les travaux selon elle. Les derniers contacts du comité avec les représentants de l'État remontent à plus de 2 mois. En tous les cas,
quel que soit Jean Saïe qui ou vle qui ou pas vle, canal la pap campé. K-P-K. Oui, li doit fini. Kite m soti nan canal la pou m rentre nan diaspora. Transfert de la diaspora haïtienne ont totalisé 3 milliards 800 millions de dollars en 2023. En 2022, l'ité plus toujours, li fonti en baisse de 1.2% par rapport à l'année précédente, soit peu de moins de 20% du produit intérieur brut selon les nouvelles méthodes de calcul, mais la première source des devises du pays. Eh bien, l'agent diaspora lui-même, c'est un pi gros cob Haïti entre chaque année. Et pas mal de tout, volume de la 50 qui sortit en dedans cob si là, que l'État toujours pas kabay preuve de qui ça y fait à cob si là. Eh bien, il représentait 20% d'un produit intérieur brut pays. Toutefois, en 2023, ce transfert de la diaspora était à titre de comparaison 4 fois plus élevé que celui des exportations haïtiennes et près de 100 fois plus que les montants reçus Haïti par les investissements directs étrangers. Eh bien, dans le moment où je parle avec vous là, en 2023, vous faites qu'on est là, d'après Kobla, li 4 fois plus par rapport à ça Haïti exporté, qui donc voye vendre. Et tout, li 100 fois plus montant que Haïti reçu pour investissement direct étranger. Bon, qui étranger qui vient investir en Haïti, m'baoué, non, maman, c'est yon yon gren comme ça. Si ces milliards ne résolvent pas la crise du pays, il soulage les foyers. Il garantit toute une partie du pouvoir d'achat de près de la moitié des foyers en Haïti pour se nourrir, payer les loyers, les transports, l'école des enfants et adolescents, ce qui appelle l'impact sur la croissance économique et l'emploi au pays. L'agence qui rentre en Haïti, même là où elle pas changé Haïti, gon volume de la 50 qui sorti. Et l'autre mot secrète, eh bien, li garanti yon tout ou bien yon parti nan pouvoir d'achat près de moitié foyer en Haïti. Tant que pour moun manger, pour moun payer loyer, pour transport, pour l'école, ti moun, pour adolescent. Eh bien, on connaît pi fò moun ki enfermé kay, yo gen moun à l'étranger en pile. Moun ki soti la ville ki vin rete en dehors, ou konnen sa deja, se pli de 2 million haïtiens ki dehors, sa ki Haïti yo. Même le ou pa gen moun direk aux États-Unis, mais ou manje kòb transfer. Ou se boss maçon, ou se ingénieur, ou se mécanicien, ou se agriculte. Moun yo voye kòb bay la, le la fè marché, l'achete yam, l'achete patate, l'achete zon ici, l'achete citron. Li gen machine pou le bay mécanicien rangé. Li gen kay pou le bay boss maçon moun ki fè peint, moun l'aime parler de peint, c'est pas peint artistique là non, peint pour peintirer. Et ça veut dire kòb la li même tout moun manje là-dedans, même lò pa gen moun à l'étranger. Pour yore lò pour peintirer kay pou Noël là, c'est diaspora k ap voye kòb la. Machine nan diaspora k voye li et li k ap paye rangé li. Ou gen kay la ou an fè mon moun li, moun ka pe ou la se diaspora ka voye kob la. Ça veut dire quel que soit jan sa, et tout moun manje dans kob la, parce que Haïti ba gan pile sous kob. Et c'est qui na diaspora ki pi gros. Haïti est l'un des pays au monde les plus dépendants des envois de fonds de sa diaspora, et le troisième pays d'Amérique latine et des Caraïbes après le Salvador et le Honduras, selon la Banque mondiale en 2022. Des signes négatifs d'une économie en déclin, incapable de générer à elle seule de la richesse et des revenus pour ses citoyens. En tous les cas, nous n'avons pas gagné l'économie encore. Après Salvador avec Honduras, nous sommes le troisième pays qui repose sous diaspora dans l'Amérique latine avec Caraïbes là.
C'est ça autorité yo même yo déclaré. Eh bien pas arrêté en pile non pas M. Bolivar ou sous Flash News 365 placez abonné ou activez cloche notification pour toute information dans pays d'Haïti.